Hey, salut à tous, c'est Derka, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan. Et vous avez bien fait de nous choisir aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler de la supposée prochaine map. Pourquoi pas du DLC 4, voire du DLC 5, car il y a plusieurs teasers qui sont sortis hier soir. Voilà, en espérant que voilà, ce soit pour le DLC 4, mais pourquoi pas un envisageable DLC 5. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, surtout des Américains, donc ça reste toujours probable. Pour moi, la dernière map de Call of Duty va se dérouler en Égypte. Et oui, en Égypte, je vais vous expliquer ça tout au long de la vidéo avec de nombreuses preuves. On va commencer par Tom Syndicate, un youtubeur qui est assez réputé quand même, qui a prouvé auparavant qu'il était un grand fan du mode zombie, et il a aussi prouvé qu'il était proche des studios de Treyarch. Il a posté une vidéo concernant le mode zombie et il a laissé un indice à la 27e, excusez-moi, seconde de sa vidéo, et cet indice, je vais vous l'afficher tout de suite. Et oui, cet indice ressemble étrangement à une pyramide. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est en rapport avec une pyramide d'Égypte? Voilà, c'est vraiment très spécial. Surtout que cette pyramide survole les airs. Donc peut-être que ça fait référence aussi à la maison de Samantha de la vidéo précédente que je vous ai postée hier. Donc voilà, tout ça est peut-être une coïncidence, mais ça me paraît tout de même étrange. En plus de cela, il a posté un tweet en disant qu'il ne fallait pas cligner des yeux. Allons encore plus loin avec cet indice qu'il a mis sur sa vidéo YouTube. Donc ce temple qui s'élève ou cette pyramide qui s'élève fait référence à une vidéo qui est postée sur YouTube. Et cette vidéo est une musique, ça reste tout de même étrange. Est-ce que ça serait une prochaine musique pour le secret du mode zombie? J'en sais rien, franchement ça paraît tout de même étrange. Est-ce que encore une fois c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Illuminati, bref. Allons encore une fois plus loin avec un tout nouvel indice qui date vraiment beaucoup, qui date du secret d'Origins lors de la cinématique. Encore une fois, et oui, on revient sur cette cinématique, j'en ai déjà parlé hier, mais cette fois-ci c'est vraiment très chelou. On peut apercevoir dans la chambre de Samantha un signe égyptien. Est-ce que ça aussi c'est pas un signe? Je pense vraiment pas que c'est une coïncidence, ça paraît vraiment fou. Pourquoi tant de signes égyptiens? Voilà, c'est vraiment bizarre. Après, je pense pas que c'est un signe japonais en rapport avec Takeo. Je pense vraiment que c'est un signe égyptien. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Et non, on s'arrête toujours pas, encore une fois, avec un indice. Celui-ci en relation avec Derezendrash, avec l'image de Derezendrash. Est-ce que vous voyez quelque chose là dans cette image? Non, toujours pas. Je vais vous afficher tout de suite encore quelque chose de très impressionnant que vous avez sûrement jamais remarqué. Regardez bien cette fois-ci au fond de la map Derezendrash, quelque chose que vous avez sûrement jamais aperçu. Et oui, encore une pyramide qui fait sûrement encore une fois référence à l'Égypte. Mais pourtant, une pyramide au fond de la map Derezendrash en Australie, ça paraît tout de même étrange. Donc je pense pas que c'est une coïncidence encore une fois. Le prochain indice, on se retrouve sur la map Combine avec des choses encore plus folles. Donc voilà, je vous ai rec un gameplay spécialement pour cette vidéo. Donc ça se situe à cet endroit, on peut apercevoir dans une vitrine une pyramide, une coffre, un chat qui fait sûrement référence, excusez-moi, encore une fois à l'Egypte, le chat qui est vraiment un mythe pour l'Egypte. Un coffre qui est sûrement très asiatique, je trouve, et qui ressemble vraiment à peut-être un coffre d'Égypte. On peut aussi apercevoir un éléphant. Il y a des éléphants, il me semble, en Égypte. Les éléphants, il y en a en Asie. Donc, je vois pas où est le problème. Donc, je pense qu'il y a encore un rapport, une fois de plus, avec l'Égypte. Dernier indice risque de vous faire vraiment très frissonner. Je pense que tout simplement, la trilogie de Black Ops a été prévue dès le premier Call of Duty et je pense que la dernière map de Black Ops 3 était prévue depuis Black Ops 1. Tout simplement, elle a été prévue en Égypte avec une pyramide, je pense, c'est la seule explication que je peux avoir de cette vidéo. Ce dernier indice concerne le chargement d'une map zombie. Tout simplement, cette map risque d'être la map Moon. Je ne suis pas sûr, je dis sûrement une connerie, mais qu'est-ce qu'on peut voir lors de cet écran de chargement? On aperçoit encore une fois une pyramide, c'est vraiment étrange. N'hésitez pas à me donner vos hypothèses. Voilà, je pense que j'ai réuni toutes les informations pour vous prouver que la prochaine map sera en Égypte. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oublie pas le petit like et le petit commentaire. Moi, je vous dis peace les gens. C'était Derka.